ami fo lokal allah subhanahu wa ta'ala tanu ka barka da ka wale ñuma ndo alimi ya no ya ma ka fara ñogon ka ni kene ka ko fe ka fuli bla bela jelena ka fo aw ñuma sera ciugo min inshallah ala kam bela jelena ñuma sigo ciugula ko ma ba kalama ambi kene min ka o de plateforme des jeunes musulmans et patriotes du Mali ya ala ñini ka point de presse kebi donc point de presse oui ka hakila u hakila mimbula jamana jolila ni jamana la khalabi chugumina ka declaration ke donc declaration mina kala ambalma kefe no yali kumare o ko fe anga president ba era Cheikh Abubakar Yakub Dougouré donc ade bi a wala wala ka résumé bamana ngana mais barem be bi damine ni miye comme ma kala ma chugumna o de ka kuma danga karamo do ma ka haya dama donkala yalla si ala bi se ka baraka do sikin la noye chugumina ani fana kan kishi ka boshitane to roma donc programme jambate atina ka fembaye don ni drone don inshallah taala ko fe ambi kuma di jona jona an ka karamo ko ma de bi haya dama donkala musul ka kuma di declaration meme la declaration kala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض قل أرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا صدق الله العلي العظيم. كما بكلام تقومنا بلاتفورم كنا نواتي لباينا أي جروب دي ريفلكشن رسيكي جروب دي ريفلكشن أكا ميشن كيرا كاميري فيم بدما دولا بلاتفورم يري نكورا بسيكا فيالا تقومنا كسيكا جمانا كنا أني جمانا كوكان تياني موسو munu ka hakili ye jamana ka jom medina ka nan ka tabulu nyumon ka donc lu be fara nyon ka anga ke jama kulu bakili ka se ka barake nyon fe la nyini ni hakila munu bana o se ka sabati chukumina donc o groupe yin sigira ka miri wala si fere jumom se ka sorola ani fana jamana ya rabbi la halamina ni point de presse mini amfle ne ka a kenesiki ka miri fana déclaration du main de bi se ka ke mimi se ka jamana situation sociopolitique économique fin febe ka beta en compte préoccupation du monde be solution du monde se ka sora la plateforme haklaimi donc ou de bara fam ba ke ka soro ka na nae ka présenter assemblée la assemblée ka soro ku ka observation ke ka valider donc au groupe mi sikira a nyamoya a président ba o dira ambal make de mali kumare donc au groupe une tokola ani plateforme bela de l'intokola ale bi déclaration kala en français donc comment ya fo chugo mna o ko fe président soroka résumé ka en bambara ka soroka akilo fo inshallah. Déclaration de la plateforme des jeunes musulmans et patriotes du Mali. La plateforme des jeunes musulmans et patriotes du Mali, conformément à ses engagements, s'est toujours battue auprès d'autres organisations et acteurs de la société civile contre la mauvaise gouvernance dans le pays. La corruption à ciel ouvert, l'impunité, l'insécurité, etc. qui ne datent pas d'aujourd'hui. La plateforme des jeunes musulmans et patriotes du Mali profite de cette occasion pour renouveler son engagement pour ce combat qui entre tout naturellement dans sa mission et ses objectifs. Conscient des frustrations de la population et la grogne sociale qui se lève face à la flambée des prix des denrées de première nécessité, la plateforme recommande des mesures de salut pour une sortie favorable de cette crise, tout en mettant au-dessus de tous les intérêts vitaux du peuple malien le respect de sa souveraineté, le respect des choix stratégiques de ses partenaires. Nous nous reconnaissons dans cette démarche et nous la soutenons. Par ailleurs, nous ressentons comme tous les Maliens les reflets de la crise sociopolitique actuelle que nous traversons. Nous aimerions attirer l'attention des autorités de la transition en ce sens afin de trouver des solutions adéquates aux difficultés qui sévissent la population malienne. Ces problèmes sont entre autres la flambée des prix des produits de première nécessité d'arrêt alimentaire, la lenteur des dossiers judiciaires
au sein de nos tribunaux, la montée du taux de chômage, la non-assistance des jeunes vivant dans les zones de conflit qui manquent d'occupation sera liée aux ennemis de la nation. La montée de tensions entre la communauté d'une part et entre les tendances religieuses d'autre part. L'insécurité grandissante qui engendre des pertes en vie humaine et fait des déplacés jour après jour. Soucieuse de ces problèmes, susmentionné, la plateforme des jeunes musulmans et patriotes du Mali propose aux autorités de la transition comme solution possible. Nous encourageons les autorités de la transition en préconisant un dialogue ouvert, franc et inclusif avec les partis afin de trouver les voies et moyens pour alléger les souffrances des populations. La révision du mode d'attribution des subventions, la fixation des prix des produits de première nécessité d'arrêt alimentaire auprès des opérations et des opérateurs économiques pour permettre à la marmite du citoyen lambda de bouillir à moindre coût. La mise en place d'un système efficace de contrôle des prix. L'implantation des magasins de céréales sur toute l'étendue du territoire pour faire face à la crise alimentaire et assurer l'autosuffisance alimentaire. L'exonération sur certains produits importés, lait, sucre, huile, blé, pour un meilleur prix détaillant. La dotation des tribunaux en personnel compétent et en équipement technologique de pointe pour un traitement efficace et rapide des nombreux dossiers et de la transparence. La création des unités industrielles, la promotion et le soutien de l'entrepreneuriat des jeunes tout en les accompagnant avec des formations professionnelles continues. Sensibilisation des jeunes sur l'importance du civisme, l'amour de la patrie, l'entrepreneuriat et la cohésion sociale. Légiférer les méthodes de prêche tout en encourageant de vivre ensemble dans la diversité et la différence car malgré nos tendances, nous avons les mêmes objectifs. La consolidation de la politique de sensibilisation des populations pour lutter contre le terrorisme, le banditisme et l'insécurité. La sécurisation permanente et durable des zones libérées par nos FAMA afin de faciliter le retour de l'administration des déplacés et réfugiés. La formation d'une nouvelle équipe gouvernementale inclusive et des missions avec une fusion possible des ministères ayant des tâches presque similaires. La limitation des attributions aux stricts besoins de la période de transition pour alléger le coût de fonctionnement de l'État. Enfin, nous retirons notre soutien à la transition par rapport aux efforts fournis pour la montée en puissance de l'armée malienne et la refondation du Mali. Nous tendons la main à tout un chacun dans un élan de redynamisation et de renforcement de nos instances sur toute l'étendue du territoire national. Qu'Allah bénisse le Mali et rétablisse la paix partout sur le territoire national. Bamako, le 25 décembre 2022. Je vous remercie.